Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon là j'ai remis le manteau parce qu'il fait un petit peu froid parce que bah voilà, on est en automne. Et du coup qui dit automne dit, si vous entendez du bruit c'est ma chaîne comme d'habitude. Et qui dit automne dit reprise des concours. Donc j'ai repris les concours la semaine dernière. Et bah, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous faire un peu une vidéo comment je prépare mes affaires de concours pour aller en concours. C'est très français. Du coup, bah, je vous emmène avec moi. Donc, je vais poser sur cette table-là, voilà, pour que vous voyez mieux, mon sac vide. Et on va le remplir de tout ce que je vais emmener. Et en même temps, je vais vous dire pourquoi j'emmène ça, etc., etc. C'est parti. Voilà, donc c'est ce sac-là. Donc, c'est le sac Philippe Buller de chez Kramer qui doit coûter dans les... genre 3 euros maximum. Donc il est vide et nous allons le remplir ensemble. Hop, je décale. C'est parti. Donc pour commencer, la couverture. Bon là j'avoue, je l'ai pas plié depuis que je l'ai mis la semaine dernière. Donc on va remédier à tout ça, ce n'est pas bien et pas. Dès le premier concours, je prends déjà des mauvaises habitudes. Donc pourquoi je prends une couverture en concours? Tout simplement puisque habituellement bon, en septembre je l'utilise pas souvent et je ne trouve pas le goût. Voilà. Généralement en septembre je l'utilise pas beaucoup mais je l'emmène toujours avec moi, on ne sait jamais. Et comme par exemple, puis j'emmène aussi mes sursangles puisqu'il n'y a pas d'élastique au niveau du ventre. Donc voilà, c'est une 135, une 125, c'est un peu grand pour Queen mais ça va faire l'affaire quand même. Puisque par exemple... la semaine dernière, on voit ma tête derrière le sac. La semaine dernière, un concours, quand j'ai voulu la monter dans le camion, Queen s'est mise à trembler. Elle tremblait un petit peu au niveau du froid, puisqu'elle était au sol dans son box. On l'a mis dehors au vent. Du coup, je l'ai pas mis beaucoup de temps, mais seulement pour qu'elle puisse se réchauffer un petit peu et ne pas la laisser avoir froid. Ensuite, nous allons passer au. Elia, on te voit sur la vidéo. On voit mon chien. Donc on va passer vraiment au cœur de l'équipement, donc le tapis. Je vous explique pas pourquoi je prends un tapis, hein, ça me paraît évident. Donc je prends mon tapis de concours qui est le Bordeaux avec les petits strass. C'est un tapis Fellini, acheté au salon du cheval. Voilà. Et on entend ma chaîne qui fait la folle plus le vent, on adore. Ensuite je prends mon amortisseur, donc c'est un amortisseur Lena. Ensuite parlons protection. Donc je pose tout, je vous explique. Donc je prends des guêtres, bien évidemment. Donc c'est les guêtres Eric Thomas en synthétique, en marron taille L. Voilà, je vais les mettre dans le coin. Je prends également des protège-boulets. Donc là, en attendant d'acheter les protège-boulets de chez Eric Thomas en cuir synthétique, exactement comme les guêtres. J'utilise des Fugenza taille petit cheval marron qui font très bien l'affaire pour l'instant. Hop. Voilà. Et je prends également des cloches. Ensuite, je prends mon collier de chasse qui est un Eric Thomas. Ouh, ça s'est enlevé. C'est un Eric Thomas du coup avec les élastiques qu'on peut changer, enfin la couleur des élastiques. Donc voilà, donc j'ai mis les couleurs Bordeaux puisque mon tapis est Bordeaux, donc vous l'avez compris, mon ensemble de concours est Bordeaux. Donc voilà, en taille pure sang. Hop, voici pour le collier de chasse. Pourquoi je prends un collier de chasse? C'est purement esthétique puisque Queen n'en a pas besoin, ma selle ne recule pas. Mais par souci esthétique, j'aime beaucoup en mettre. Ensuite, un bonnet. Voilà, Queen n'en a également pas besoin, mais par esthétisme, j'en mets. Oui, j'aime bien que ma jument soit toute belle, alors voilà, je ne lui ai pas demandé si ça l'a dérangé, mais voilà. Ainsi que le filet, donc un filet Fugenza que je vous ai déjà montré. Au fait, le bonnet est un Equitem. Donc là, il y a le frontal en strass rose. Bon, il faut dire que le filet, je le mets juste ici, le temps que j'aille au camion, puisque dès que j'irai au camion, je mettrai le filet plus ma selle, plus ma sangle dans le camion sur les portes filets et les portes selles. Donc ça m'évite de tout tasser dans ce sac là. Ensuite, bien évidemment, je prends un licol et une longe. Bon là la longe elle est juste à côté, j'irai la chercher après. Mais du coup voilà,
le l'école que je vais prendre pour le prochain concours. Voilà, voilà. Et le l'école, c'est pareil. Une fois que je serai au club, je le mettrai sur la tête de Queen. Ça évitera deux fous dans le sac pour rien. Et c'est tout ce que je prends comme affaire pour le cheval. Quand les chevaux seront tondus, j'emmènerai donc couvre-rein, soit imperméable, soit polaire, soit imperméable et polaire. Ça dépendra de la température, du temps, de tout ça, tout ça. Donc voilà, sinon après pour moi, qu'est-ce que j'emmène? J'emmène donc ma veste de concours, que voilà pour le truc, mon pantalon blanc, je l'aurai sur moi. Donc ensuite c'est des bottes, une paire de gants, parce que en concours j'aime pas monter sans gants, et ma bombe, ma dorsale et ma cravache, à ne pas oublier. Voilà ce que j'emmènerai. Et j'emmène aussi également ma caisse de pansage, mais ma caisse de pansage est exactement la même que ce soit pour les cours au club ou pour les concours. Donc je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur ma boîte de pansage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et la prochaine vidéo ce sera donc la vidéo du concours, d'où pourquoi j'ai préparé ce sac là. Allez, bisous!